Bonjour à tous, nous sommes à la frontière de 4 pays et nous allons explorer le côté allemand de ce réputé lac de Constance. À la fin du reportage, on vous fait découvrir une autre pépite à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et on commence tout de suite par la réputée presqu'île du Lindau. À quelques heures de route de la forêt noire, le lac de Constance offre des paysages complètement différents où les vignobles remplacent les forêts de pins. Le premier atout de la presqu'île du Lindau est que la petite cité se parcourt à pied. C'est l'un des endroits les plus fréquentés du lac, apprécié des visiteurs pour son riche patrimoine. Sur le port, le phare ancien et le lion de Bavière sont les deux symboles de la ville. Dans le centre, les bâtiments et les fontaines sont remarquables. Une des pièces majeures, c'est l'ancien hôtel de ville avec ses nombreuses illustrations. Entre son réputé port, ses trésors architecturaux, son lac étincelant et les majestueuses montagnes qui l'entourent, cette charmante cité bavaroise est très romantique. C'est l'un des incontournables du secteur. Après un rapide passage dans la ville où l'on trouve le musée des Zeppelins, nous partons à la rencontre de Meßburg, un magnifique village médiéval. Avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages ornées de fleurs, cette cité est un véritable conte de fées. L'architecture colorée de la ville emprunte au style médiéval, mais aussi baroque. Sur les hauteurs du bourg se trouve un château construit au 7e siècle. Il passe pour être le château fort le plus ancien d'Allemagne encore habité. Le moulin à eau du château et sa belle maison nous ont particulièrement séduits. Pour les amateurs de villages médiévaux, Meßburg est incomparable et les touristes s'y bousculent. Comme beaucoup de sites de ce style, c'est un véritable musée à ciel ouvert. On vous avait promis pour finir une ville méconnue qui mérite bien une visite, c'est maintenant. Wangeralgo se situe dans les terres à une quinzaine de kilomètres du lac de Constance. Son centre ancien, dont certaines constructions datent du Moyen-Âge, est un véritable joyau. Ses bâtiments et ses places soigneusement restaurées sont incroyables. La décoration et les enseignes sur les façades complètent le charme des constructions. À l'extérieur de la vieille ville, les douves sont aménagées en un agréable jardin et une partie des remparts a été restaurée, tout comme cette magnifique roue à eau. Les portes de la ville sont remarquables, par exemple la porte Saint-Martin, mentionnée pour la première fois en 1347. La cité regorge de statues en bronze et chacune d'elles a une histoire et de nombreux détails. Celle-ci représente la vie en société. Cette autre symbolise le marché aux cochons avec Saint-Antoine, le saint patron des animaux domestiques. Ou encore cet empilage de gens dont le jet d'eau surprend les passants.
Nous espérons vous avoir donné envie de sortir des sentiers battus pour venir découvrir Vengeralgo. Le climat doux du lac de Constance et ses villes élégantes en font un véritable classique des vacances en Europe.